vous avez connaissance, expliquez, mobilisez les soutiens matériels, les soutiens financiers, les organisations des droits de l'homme sur le terrain en ont besoin pour travailler. Il y a des avocats également condamnés à 2, 3, 4, 15 ans de prisonnement ferme. Il faut que nous fassions quelque chose. Ce sont des martyrs, ce sont des héros. Ils sont sur la même voie que Oumiobé, Félix Roland Moumier, Ossendé Afana, Eric Takou, pour ne citer que ceux-là. Nous devons leur être reconnaissants. Et ceux qui sont ici aussi. Bien sûr. Amen. Donc, chers compatriotes, Christian Diokou, les mots d'ordre sont ceux que Jean-Robert Wanko a lu tout à l'heure. Première chose, libérer tous les prisonniers politiques. Deuxième chose, cesser les arrestations arbitraires. Troisième chose, et c'est la chose la plus importante, parce que nous n'avons aucun bilan des massacres de la semaine dernière, il faut absolument, et c'est le plus important, mobiliser l'opinion internationale autour d'une commission d'enquête internationale indépendante pour faire le bilan de cette tragédie, établir les responsabilités, que les commanditaires, les coupables soient traduits devant les tribunaux et les tribunaux nationaux ou à défaut les tribunaux internationaux. Oui. Oui. Commission d'enquête. 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 Mais nous n'allons pas revendiquer la commission d'enquête et oublier pourquoi nous étions allés dans la rue. Évidemment. Les dictatures sont spécialisés dans la diversion, dans le déplacement des problèmes. Lorsque nous manifesterons pour demander à la commission d'enquête seulement et qui n'a pas accès aux soins. Les milliers de blessés qui s'entassent à Baboussam, à Douala, à Yaoundé, etc., ne sont pas pris en charge parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale. On a tiré sur les gens et il faut que leurs parents payent des millions et des millions pour qu'on les ampute, pour qu'on les soigne, pour acheter des médicaments, etc. Donc si nous aidons les organisations des droits de l'homme, ce sera pour une cause juste, ce sera pour une cause noble. Donc, chers compatriotes, voilà l'autre information que je voulais vous donner. Pour terminer, chers compatriotes, il faut que chacun se tienne prêt. Il faut que chacun se tienne prêt parce que la mer des batailles va commencer bientôt. On aura besoin de volontaires pour descendre au pays. On aura besoin de volontaires pour aller sur le terrain, pour aller au choc. Notre pays ne peut pas, on ne peut pas laisser notre pays à la merci d'une bande de voyous, d'une bande de brigands qui nous conduit chaque jour en exil. Nous errons dans le monde comme des âmes en paix et à la merci des moqueries de tout le monde. Ce n'est pas possible. Le Cameroun est un beau pays. Le Cameroun est un pays riche. Bien, vous avez tous écouté avec émotion l'intervention de Ténésor ici présent. Nous avons lu l'émotion dans ses cris, dans ses appels. Et je crois que chacun de nous ici n'est plus indifférent. Mon adresse, vous dites mes adresses, je vais devoir passer la parole à Emery Kouemo, le cas où vous avez tous sans doute lu son intervention. Lui qui a vécu depuis ces événements derniers qui sont passés. C'est pas de la comédie que nous sommes en train de faire. Vous avez eu la photo d'un proche ami à Ténésor. Vous entendrez certainement des témoignages encore
Et surtout quand dans le chemin de tu me laisses, tu me laisses tout des gens qui sont morts. Si les gens, les gens, les gens, les gens, les gens, Die Jungen, die in Kamerun gestorben sind, sind nicht für nichts gestorben. Die Jungen, die in Kamerun gestorben sind, sind für das Stolz, für die Ehre ihrer Heimatland gestorben. Wir müssen lernen für alle hunderte Leute, die in Kamerun gestorben sind. Bon, ils m'ont dit non, ils ne peuvent pas entreprendre des choses tout seuls. Et alors j'ai été vraiment très dessus et ceci m'amène à vous dire, parce que j'ai fait cette remarque là au monsieur. Ça veut dire. Si par exemple la France actuellement soutient le régime Biya et que la France dise non, nous ne voulons rien entreprendre, ceci veut dire que toute la communauté européenne ne va rien entreprendre. Bon, je leur ai dit de l'autre côté, on voit par exemple le Zimbabwe, on voit le Soudan, tous sont derrière ces problèmes. L'Allemagne a eu des problèmes, enfin des discordes avec... la France, parce qu'ils estiment que le président Sarkozy est allé nouer les relations avec la Libye et il ne voulait pas. Alors je leur ai dit, mais on ne comprend pas. Dans certains cas, chacun va de son côté et dans d'autres cas, dans le cas du Cameroun, on dit que tout le monde doit se réveiller. Donc en fait, cela a attiré mon attention et j'attire votre attention. Vous devrez savoir en fait que nous sommes seuls, que cette lutte, nous ne pouvons pas la garder en personne derrière. Nous ne pouvons pas compter sur qui que ce soit. Nous devons nous battre. Et le problème de se battre, il ne faut pas qu'il y ait 1000 personnes. Une seule personne peut se battre. On a eu le cas de l'Inde, des gens comme Mahatma Gandhi, qui ont changé la vie de leur pays tout seul. Donc, ne vous découragez pas. Si aujourd'hui, il n'y a pas eu 1000 personnes ou 2000 personnes, ne vous dites pas la prochaine fois, ah, je ne viens pas parce que la dernière fois, nous étions seulement 100 ou 200. Même si vous êtes seul, chacun à son niveau, doit faire ce qu'il faut faire. Et pour terminer, je vous avertis aussi que demain, j'ai appris de sources officielles que les gars du RDPC, l'Allemagne, seront ici demain. Donc, pour faire une contre-démonstration. Et ils ont pris des dispositions, ils ont loué un caméraman. Bref, ils veulent faire une bonne documentation qu'ils mettront sur Internet. Donc je prie aussi à tous ceux qui ont fait des photos et tout, qui essayent de faire une bonne documentation aussi, qu'on devra mettre sur Internet. C'est très important aussi. Parce qu'il faut médiatiser le problème. On a beaucoup de moyens maintenant, chacun même dans sa chambre peut travailler avec son ordinateur et faire beaucoup de choses. Mobiliser tel que nous le faisons, c'est parce que quelque part, nous avons des repères. Le grand frère a évoqué Roland Félix Moumier. Il a parlé de Martin Paul Samba, Robert Oumyobé, tous ces nationalistes, tous ces visionnaires qui ont cru afin que nous aujourd'hui nous puissions également croire. Je voudrais vous dire que nous devons croire et continuer de croire parce que malgré la situation piteuse dans laquelle notre pays se trouve, l'espoir c'est ce que nous incarnons. La communauté internationale. Haïra pas, hein. La démocratie. Oui, oui, oui. La dictature. Non, non, non. L'aliénation. Non, non. Bon. Oui, c'est simplement, oui, ça paraît, c'est même. Si je meurs, il faut m'enterrer au cimetière de la démocratie. La dictature. Non, non, non. Paul Biya. Non, non, non. L'aliénation. Non, non, non. Ne passera pas. La dictature, non, non, non. Paul Biya, non, non, non. Ne passera pas. Bon, attendez, il faut que je relise un peu le SMS, peut-être pour ne passeront pas.